Pendant un an et demi, Laurie Tillman ex-Monsieur Poulpe, elle s'explique en vidéo. Ils sont tous les deux devenus des animateurs désormais bien connus du paysage audiovisuel français, Monsieur Poulpe et Laurie Tillman. S'il lui a commencé en tant que blogueur et youtubeur avant de migrer sur la chaîne cryptée Canal+ et de lancer ses propres contenus vidéo. Elle a débuté dans le mannequinat en étant Miss Bretagne 2010 puis Miss France 2011 et est devenue une chroniqueuse et présentatrice d'émissions de choix. Deux chemins croisés qui les ont rapprochés au point de faire d'eux un couple pour le moins improbable. C'est ce que l'on pourrait croire au premier abord de cette vidéo parue sur le réseau social Tito. Réalisée par GQ il y a quelques semaines. On peut y voir en préambule Monsieur Poulpe dire face caméra que sa prochaine ex est en vidéo. Avant d'enchaîner, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, c'est Laurie Tillman. Il poursuit, alors là, vous vous dites, un comme ça. Guillaumet. Jusqu'à ce que l'on apprenne le réel lien qui unit ces deux personnalités. Laurie Tillman. C'est mon ex-voisine. Je vous ai bien attrapé, déclare Monsieur Poulpe, qui est par contre le véritable ex de la comédienne Bérangère Krief. C'est alors que Laurie Tillman, qui s'est filmée dans la rue, apparaît à l'écran et fait dans la surenchère. Alors avec Poulpe, on a été voisins pendant à peu près un an et demi et je crois que ce que je préfère chez lui, c'est son chien, révèle celle qui a présenté la dernière cérémonie des Victoires de la musique. Je le croisais souvent lorsque je sortais de chez moi, je le caressais, on se faisait des petits dîners. Poursuit l'ancienne femme du chef Jehan Arbelay au sujet de l'animal de compagnie. En fait, pendant un an et demi, j'ai appelé son chien Horton, alors qu'il s'appelle Gordon. Horton, si tu regardes cette vidéo, pardonne-moi de tout mon cœur. Promis, je t'enverrai tout plein de croquettes. Conclut-elle en adressant un baiser à la caméra. Un joli canular de la part des deux animateurs. Qui démontrent toute leur autodérision dans cette vidéo qui a bien fait rire les internautes. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.